Oh, mais c'est du travail d'entretien des... Attention, hein. On la coupe de manière à boucher, à empêcher les vaches de passer. Donc il faut couper des branches, les plier, pour faire comme une palissade. Dans le temps, c'était la bouchure qui arrêtait les bêtes, c'était... Ou les murs de pierre. Hein? Ah, ou les murs de pierre, oui, les murs de loups, qui disaient. Oui. Ouais. Les vaches ne voulaient pas passer, hein? C'était tortillé dans les pieux. Vous le faisiez l'hiver, ça. On faisait ça l'hiver, oui. Maintenant, bon, on prend la sonneuse, on coupe dessus. Plus vite. Mais dans le temps, le barbelé existait. Oui. Ça existait, mais moins que tout de suite. Mais dans le temps, plâcher et tout, vous voyez, c'est... Et puis ça coûte cher, les barbelés. Ben voilà, tandis que ça, il était gratuit. Il y avait juste le travail de... Et puis en même temps, récupérer le bois pour se chauffer. Voilà. Oh ben, moi, je trouve que c'est bien. Et ça bouge bien, et puis ça esquinte pas les bêtes, les petites vaches. Et puis, quand une vache passe, des fois, elle perd le trayon. Hein. Et le barbelé, après la guerre de 14, il a été enlevé, effectivement, sur les champs de bataille. Il était roulé en botteron. Et puis, eh ben, il était distribué aussi au travers des coopératives. Mais il fallait l'acheter. Et c'est vrai qu'ici, les gens n'étaient pas bien riches dans le Morvan. Et puis, il y avait cette habitude de plécher. C'est pour ça que c'est resté encore longtemps. Dans le Morvan, on faisait des pléchis. On pléchait les pâtures, mais on pléchait aussi les endroits où étaient cultivés les légumes, bien sûr. Bah, hein. Oui, c'était important, de façon à ce que les bêtes n'en rentrent pas. Le morcelage facilitait aussi le fait de plécher, parce qu'il y avait plein de petits morceaux, de 2, 3 heures, 4 heures, les ouches. Ouais. Hein. Et quand bon, il y avait la trace, elle était entremise les deux propriétaires, alors il y avait les deux propriétaires venaient pour piécher ensemble. C'est-à-dire, avant de plécher, déjà, on débourre le pion. Hein. Voilà, tout enlever les saloperies. On enlève toutes les saloperies. Comme on le fait là. Hein. On enlève le boisson, tout ça. Puis après, il reste les trucs comme ça. Bon, ben là-dedans. En principe, pour les plâcher, on prend les bouts qui sont un peu plus au milieu. Ouais. Pour pas que ça fienne, machin. Au milieu de l'air, quoi. Au milieu, oui. Dans le temps, les vieux, ils se confient parce qu'ils n'avaient jamais essayé grand terrain. Il y en a qui allaient s'arcer des bouts loin, pas au milieu du semaine, mais oui, par exemple, un bout poussé là, on était plâché. Ça fait qu'au bout de 10 ans, ben, le semaine était rétréci. La terre, on était en labourant, la terre descendait. Voilà. Et puis on agrandissait l'eau sans qu'on ne pouvait, quoi. Tout ça là, ça, il a tout à plécher ça. Ah oui, Il n'est pas jeune, il n'est pas trop gros, alors il y a de l'avenir. Ah ben c'est là, on y voit... À mesure qu'on avance, on voit s'il faut coucher ou couper ou... Oui, ou enlever. Ou tailler ou... Moi, j'ai dressé, on avait des prisonniers allemands, qui s'étaient dressés. Alors, patron, fais ça, coupe. Alors ils coupaient, couche. Ils connaissaient que c'est du mot là. Eh ben plécher, ça veut dire quoi? On coupe la branche là pour la plier. La plier. Hein? On peut plécher deux fois dans l'année, l'hiver et au mois d'août, quand la sève est arrêtée. Même feuillet, et ça ne meurt pas. Dégraisser, c'est diminuer la partie là qu'on couche. On appelle ça dire l'ardenne. Ça amincir, par le fait, c'est amincir la coupe le plus possible, de façon qu'elle soit plus souple. Autrement, ça casse. Et si vous la mettez trop près, eh ben, l'écorce, elle se lève, elle se souffle. Donc la sève ne passe plus. Hier, on en a manqué un beau. Quand c'était fini, l'écorce, elle pliait dessous comme ça, il fallait tout couper. Quoi. Autrement dit, tout le bois qui est dans la haie, il doit vivre, il ne meurt pas. Bah, il ne meurt pas quand il est coupé, il repousse là. Parce qu'on n'a pas coupé complètement. On l'a plié, hein. On a juste entaillé d'un côté et on l'a plié. Et donc, il y a des jets qui repartent dessus. Ah ben, ça revordit, hein. Il y a des jets qui repartent. Après, il repart des bouts dessus. Ouais. Vous faites un méplat. C'est pour éviter que le pot lisse, l'eau s'infiltre dans,
les fibres par la tronçonneuse, technique que j'emploie depuis longtemps. Et ça réussit bien. C'est le principal. Pour que j'ai encore celui-là, pardon. En notre terme, on appelle ça fossé. C'est du tressage, par le fait. Alors, le vent ne peut pas les lever, elles sont toujours tenues entre chaque branche. Elles redressent les pieux à la rigueur, les pieux comme celui-ci, on va le ramener avec une branche pour lui prendre sa forme initiale. Bon, là, il n'y a pas de problème, il y a des noisetiers. Ça ne pique pas, mais quand il y a des épaules, avec ça, on entrelace avec l'arpion du guise, ouais. Hein, au lieu d'y mettre les meignes. Normalement, c'est une haie de prairie. Alors, on les fait plus larges. Mais quand on est dans un champ labouré, on est ici un peu. Il est entre 1 mètre et 1,50 m, disons. Hein. Il y a suivant l'utilité qu'on en avait. S'il y avait un champ ici du même niveau, avec les vaches des deux côtés, il faudrait que ça soit plus haut. Plus haut, oui. Eh ben, on coupe les pieux plus serrés, on en enlève. On n'en met pas tant, on la fait moins large. Puis on s'arrange pour que le vent ne puisse ne pas les lever, on les coince. Il faut que ça soit vraiment coincé ou superposé, les passe dessous. Hein. C'est long à faire, tant pis. Ah, j'aime ça, moi. Puis je l'ai inculqué au gamin, puis elle est comme moi maintenant. Ah oui, il faut qu'il plaise, lui. Hein. On arrive à faire 100 mètres par jour, à deux, en petite bouchure. Dans le temps, mais on commençait à 8h30, 9h, et puis on allait jusqu'à 5h du soir. Quoi. On s'arrêtait une heure pour manger. On arrivait à faire 100 mètres. De toute façon, tous les ans, on empêchait. Hein. Oui. Il était toute faite pour ça. Il n'y avait point d'autre solution que ça. Elle était toute pléchée. Elle n'avait point à les couper pas comme maintenant dessus. Non. Il était tout pléché dans le temps. Alors tous les ans, on en fait. Ah, il y avait quelques arbres fruitiers comme la chat. Oui. Quelques poirets, quand il y avait des arbres fruitiers. Bon. Poiriers, pommiers. On les laissait, bien sûr. On ne coupait pas. Puis des fois, quelques gros sarignes qu'on lâchait pour faire de l'ombre pour l'hiver. Oui, oui. Non, un arbre de par-ci par-là. Oui. De toute façon, les bêtes, quand ils mettaient, les pléchés n'étaient pas faites d'ombre. Il y avait déjà de l'ombre. Ouais. Et puis souvent, il y avait des fanabes au milieu du... Du sang, plus près. Dans les prés, par exemple, dans les pâtures, il y avait des fanabes au milieu. Mm-hmm. On en voit encore. Oui. Des gros chênes. Des gros chênes, oui. Ça fait plus de 100 ans. Parce que le membrement, quand on l'a fait, après, il n'y a plus de haies. Il y a tout en barbelé. Ben, je ne peux pas beaucoup de noms, les barbelés. Hein. Mm-hmm. Et puis, ben oui. Tandis que, ou qu'il y a des haies, ou bien qu'il y a un arbre comme ça. Mais les bestioles, quand il fait bien chaud l'été, tiens, l'été dernier par exemple, ben t'en fais pas, elle n'était pas couché au soleil. Hein. Ah oui, elle se mettait à l'ombre. Ah ben dans les lièvres, il y avait du gibier, plus que tout de suite. Des lièvres, du lapin. Ah ben là, il y en avait du lièvre. C'était le coin à lièvre, là. Les oiseaux faisaient leur nid, quoi. Oui. Et puis c'était moi j'aimais bien, quoi. C'était naturel. Mais maintenant, on n'a plus le temps de faire ça, il n'y en a plus guère qui font ça. Yep. Oh, bon, fallait pêcher. Moi, il y en a fait avant de partir au régiment, quand on est jusqu'en 60, peut-être. Oui. En 60, maintenant. Faut que les broyeurs sont arrivés et terminés. Mm. Même avant les broyeurs. Ouais. Oui, on coupait les tresses dessus. Ah oui, on les coupait quelques croissants dessus. Mm. Puis l'empêcher de pousser. Mm. Tous les excès de bois qui poussent là-dedans, on s'en sert comme chauffage, nous. Au lieu de la raser, on entretient Noé, vous avez vu là-bas ce qu'il a coupé, on a des bois de chauffage de l'année. Ah ben tout était utilisé. Ah tout, oui. Les fagots, tout. Ah oui, il ne restait pas grand-chose à brûler. Oh, non, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Des petites saletés, des épines. Mmh. Il y avait des épines dans les fièvres, oui, sinon. Oui, bien sûr. Et puis en commun ce matin, nous, il était tout récupéré. Là, il n'y avait pas de perte. Alors ce petit bois-là, que l'on détourne, on appelle ça de la charbolette chez nous. Voilà, on la coupe, et puis c'est très apprécié des dames. Quand le feu baisse, elle donne un petit morceau de charbolette, elle met un gros morceau de bois dessus, et puis c'est parti. Mmh.